C'est formidable, un œil ouvert, un œil fermé. Lorsqu'elle regarde les photos de sa fille, Jane Berkin semble les redécouvrir à chaque fois. Kate Berry était une photographe hypersensible. Face à l'objectif de Kate Berry, il se dégage quelque chose de l'ordre de la peinture. Oui, une tendresse, une poésie. Elle choisit ses cadrages. C'est ni volé, ni violé. Et puis, avec la même tendresse, elle traite les actrices, les bouchers. Tout le monde est mis en valeur. C'est la première fois que Jane Berkin regarde les images de sa fille dans une galerie depuis la tragique disparition de celle-ci. Kate Berry s'est donné la mort en décembre 2013. La photographe s'est beaucoup inspirée de sa famille, de ses sœurs, Lou Doyon et Charlotte Gainsbourg, et puis elle a photographié sa mère en la dirigeant comme personne d'autre. Elle était très très précise et elle ne voulait pas de cheveux pour se cacher. Elle connaissait mes trucs. Pas de sourire par là, en regardant dans le vague. Non, elle voulait face caméra, ce qui m'a terrorise toujours. Trente photos de Kate Berry sont présentées à la Galerie Cinéma à Paris. Une sélection réalisée par son fils et sa mère, qui donne une idée de la sensibilité et de l'étendue du travail de la photographe, partie à l'âge de 46 ans. Oui, je suis très admirée.